ça fait un certain temps que je suis attiré par la 3D relief parce que je pense que le relief fait que on a l'impression d'assister à une petite scène presque entre guillemets réelle. C'est un peu comme si le téléviseur devient une sorte de petite vitrine avec une profondeur dans laquelle des petits personnages vont évoluer et on va oublier l'écran et on va comme assister à un petit spectacle de théâtre en volume. Donc là en fait on va voir une petite scénette en relief donc qui va sembler un peu être comme une scénette qui a lieu dans une vitrine où on voit trois personnages qui sont en train de réaliser un film en relief. Et c'est comme si on voyait une petite scène de théâtre où la pièce qui se joue, c'est trois types qui font un film pour NSI. Et pour moi, c'est une manière de considérer le spectateur comme intelligent. C'est-à-dire qu'en fait, si on lui sort un discours avec les valeurs, le savoir-faire, etc., le spectateur peut avoir l'impression qu'on lui fait de la pub, quoi. Alors que là, il y a un côté distanciateur. On lui montre comment on fait le film, on démonte un peu à la fois le discours et on démonte la fabrication du film en direct. Et donc du coup, on fait plus appel à l'intelligence du spectateur. Il voit comment se fait le film, il recompose, il entend le discours, mais son esprit travaille en même temps.